3 renards d'un coup, blam. C'est vraiment le royaume du roux, du loup. Ouais, du non, du. Ouais, du roux. Du renard, quoi. Il y en a plein. Vous avez dit tout à l'heure. Tiens, qu'est-ce que j'avais pas dit? Vérifiez là, il y a une demi-heure, même pas, j'ai dit. Vous pariez que dans une demi-heure, j'en ai vu deux. Bah voilà. Tiens, 3. Blam. Comme quoi. Comme quoi. Les surprises sont bien au-delà de nos espérances, parfois. Que j'ai apprise en. J'ai suivi les cours de survie en milieu froid humide quand j'étais au Madagascar du Sud-Est, à Juneau. Voilà, c'est. Faut toujours bien faire attention. Où est-ce qu'on en est au niveau physiologique? Dès qu'on sent que ça commence à chauffer, faut enlever les pièces, faut enlever les couches. Faut essayer de ne pas transpirer, de transpirer le moins possible. Parce que le problème avec les transpirations, c'est qu'après, quand vous arrêtez de vous activer, elle vous refroidit. Waouh! Donc il vaut mieux toujours avoir un peu froid quand on est en action, plutôt que trop chaud, pour pouvoir
être. Yeah. Pour pouvoir à la suite tout simplement être dans des situations confortables quand vient le moment de du repos. Il faut une montagnarde de type faucon. Je laisserai les buses un peu plus en bas au fond des vallées à l'abri du vent. De toute façon, là où ça a fondu, on peut dégoter un peu les proies. Ici. Ah, c'est l'altitude, ces altitudes. Les rapaces qui existent. Sont des tueurs. Je dis pas que les buses sont pas des tueuses. Vient de là de moi cette croyance. Mais ouais. Oui, vous voyez, pardon. Ouais, là, pardon. Là, c'est beau, hein. Voilà, au fond, le Kilimandjaro que j'ai toujours pas gravi, là, parce que j'avais passé de banane hier. Mais je préférerais y aller un jour, en me levant tôt. Ce matin, j'aurais pu, il y a un transporteur qui est venu cogner à ma porte. Michel Galabru, c'est vous? Michel Galabru, je cherche Michel Galabru. Je dis non, vous êtes à la bergerie ici. Ah, pardon, monsieur. Boum, 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 boum. C'est bien,
J'arrive à m'évader là, j'oublie. J'oublie que je suis en France. J'oublie que je suis dans un pays porté par une administration, par des gouvernants qui nous font faire n'importe quoi. Awadia. Je retrouve de la liberté. Ma liberté à moi. Sur la terre. Je sais que le bonheur, je dirais que c'est ça. Je pète, c'est le mal.